Hey yo les potos, c'est X77 sur la chaîne de XStorm. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel let's play sur un jeu que j'aime particulièrement beaucoup et que beaucoup de gens de la série Assassin's Creed adorent et le considèrent comme le meilleur jeu de la franchise. C'est Assassin's Creed 2 de la Ezio Collection sur PlayStation 4. Donc voilà, donc déjà j'ai 2-3 trucs à vous dire. Donc le let's play, il y aura un épisode tous les 2 jours, donc voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'épisodes tous les jours, enfin pour pas faire un épisode tous les jours. Sinon je pense que je vais faire un autre let's play sur GTA en multi cette fois, mais ça c'est peut-être pas pour tout de suite. En tout cas on va commencer, donc les épisodes feront dans les moyennes de 30-40 minutes. Donc voilà, on va lancer le premier épisode. J'espère que la série vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner pour nous soutenir, Firestorm et moi. Et sinon on commence, allez. Ok, allez, X77. On lance. Et je me tais. Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme. Une relique. L'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles, et ceci est mon histoire. Ok, donc on est reparti en jeu. Donc moi, pour savoir, je n'ai jamais joué au A. Donc, enfin, j'ai déjà vu des let's play sur le A, mais je n'ai jamais joué. On va appuyer sur la touche. Il faut partir. Lucie, où t'étais passé? Pourquoi il... Maintenant. Ah, je crois qu'il n'y a pas les sous-titres, donc on va juste les mettre. Général. Le volume, on va peut-être un peu le baisser. On va le mettre à comme je le fais d'habitude. Volume de dialogue à 2. La musique à voilà. Les sous-titrages, oui. C'est parfait, maintenant tout est bon. Donc comme je l'ai dit, je n'ai jamais joué au A, mais celui auquel j'ai joué, c'est le 4 que j'ai joué en premier. Puis il y a eu Syndicate, Unity et la Ezio Collection. Donc la Ezio Collection, j'ai joué en dernier. Répondre à toutes tes questions plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Ok, allez, je me mets dans l'Animus. Donc on va jouer Ezio Auditore da Firenze en Italie. Je crois que c'est en Florence, particulièrement en Florence. On va se trouver. Donc je connais quand même l'histoire, j'ai déjà regardé des SP, mais j'ai aussi fait les jeux de mon côté et je les ai finis. Ceux que je vous ai cités. Il y a aussi Origin où je vous ferai un let's play, mais pas pour le moment. Enfin je compte tous vous les refaire en let's play. Mais je crois que je vais d'abord commencer par la collection, puis Syndicate, Unity, Origin et peut-être Black Flag. Voilà. Je crois que Firestorm a aussi prévu de faire un espèce en Black Flag. Ou alors, je sais pas, comme ça vous aurez le point de vue des deux joueurs. On verra bien. Oui, oui, c'est bien. C'est un garçon. Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard.
Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mon fils. Bats-toi. Bon, moi, j'appuie sur rond pour attaquer. Hop. Coup de tête, ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour ? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Apparemment, il est un peu chelou, vu qu'il écoute apparemment les poumons de tous les gens. Donc, il a dit qu'Ezio a de beaux poumons. Je sais pas. C'est un peu chelou. En tout cas, on est parti là. Donc on est dans, on est retour dans le monde avec Desmond Miles. Enfin, je retrouve son nom. Allez, je te suis, ma chère Lucie. Attends-moi quand même. On va vraiment se tirer d'ici alors. Ok, voilà. Je te suis. C'est très lent, hein. Architecte d'intérieur. Viens, suis-moi. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Dommage. On va pas ouvrir cette porte. Ah, bande de blaireaux. T'es nul. On va avoir besoin de renforts. Murs en verre. Ils sont sympa. Ça. Les voilà. Très sympa. Ils doivent pas s'échapper. Mais t'es dingue. Donc aussi, je me rappelle plus de toute l'histoire. Je crois qu'ici, il y a pour une histoire de 6 heures si on ne fait que les quêtes principales. Mais je pense qu'on essaiera aussi de faire l'annexe. Donc je pense que je ferai aussi un peu de mon côté. Je montrerai sans doute pas tout. Voilà, je jouerai un peu de mon côté, une heure ou deux pour faire un peu d'annexe. Aussi au moins de faire le 100%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le principal, ça, on va le faire. Et on essaiera de le faire le pas plus vite possible. Je veux dire, on essaiera de le faire assez rapidement. Comme ça, après, on aura tout notre temps pour faire. Pour faire les quêtes annexes quoi. Donc voilà, je pense qu'on enchaînera directement toute l'histoire principale, enfin en faisant un peu d'annexe, et après on fera, il faut atteindre cet ascenseur de l'autre après côté de la pièce. On fera les quêtes annexes. Mais préviens-moi si la sécurité. Donc si vous voulez l'ordre des let's play que je vais faire sur Assassin's Creed, donc c'est d'abord le 2, puis je ferai Syndicate, Brotherhood, Révélation, Unity et Origin. À moins que Unity remarche, Origin remarche. Vu que là j'ai un petit bug avec Origin, donc il ne marche plus. Mais si Origin remarche, je pense que je le ferai en second. Vu que c'est mon jeu préféré. Celui-là c'est mon troisième préféré. Ouais, je dirais que c'est mon troisième. Vu que d'abord c'est Black. En deuxième, en fait, si vous voulez mon top 3, c'est Origin, Black Flag et le 2. Mais si je devais pas compter Origin, ce serait Black Flag, le 2 et Syndicate. Simplement parce que Syndicate, il y a la conquête de Londres avec plusieurs corps et tout, on doit faire des missions annexes et je kiffe trop ça. Une libération de corps. Et il y a aussi Brotherhood que je devrais mettre dans le classement, peut-être à la place du 2. Parce qu'on peut entraîner les assassins, on doit les améliorer, on peut les envoyer sur une cible et tout. Ce qui est vraiment énorme quoi, c'est génial. Le troisième, c'est toujours la bonne. Comment t'as fait ça? Je n'en sais vraiment rien. Aucune idée, ma meuf. Meuf. Il manquait plus que ça. C'était qui, Remus? Le sujet 16? T'as les glouches, t'as son seul. Rouge, noir. On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison. Mais là, il y a un petit serial killer qui va se mettre. J'en ferai des coups de gueule ou autre comme ça. Il va sortir et. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras quand on y sera. Mais où ça? Ok, on y est. Allez, on va se faire les gardes. Amenez votre cul. Hop, hop, je vous en cul loin. Si tu veux, toi. Ah oh, putain. Hop, 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 hop. Mais putain, attends, laisse-moi ton pote. Mais putain. Voilà, lui d'abord, il est mort. Mais hey, tu vas te calmer, Jackie. Hey, mais. Oh, mais hey, putain. Derrière, elle a foutu les 4 par terre, moi j'ai l'air déjà à mettre un seul. Mais nique ta mère! Oh putain, toi tu vas me saouler. Voilà, alors moi, et tu dégages! Oh putain, merci.
Oh attends, j'ai une belle voiture là. C'est une genre de Lamborghini ou quoi. Jaune ou vert. Pour ta sécurité. Je crois. Tu parles. Ce sera pas long. Il y a intérêt. En tout cas, pour moi le jeu est très beau, enfin c'est pas comme dans le 2 qui était sorti sur PS2 ou PS3 je crois. Celui-là sur PlayStation 4 est beau je trouve. Enfin, il vaut pas Origin ou Syndicate ou des trucs comme ça. Les secousses. Ouais, il est dans le style graphique de Black Flag, enfin je sais pas, je trouve. Tu vas me dire ce qui se passe maintenant. Je sais pas. On s'est enfui pour ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est dans le style graphique un peu de Black Flag. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvé. Tu m'emmènes nous là, dans un autre. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où. Allez, on va monter. Quoi? Hop. Qu'est-ce que c'est? Abonne-toi, cours. Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Ah, je sais bien que c'est là qu'il faut aller, mais il faut attendre cette salope. Cette chère madame. Je ne vois pas plus comment je peux vous aider. Nous allons te former. Mais wesh. Tu vas devenir l'un des nôtres. Elle est là, elle a à peine monté de première escalier. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Putain, elle prend même son si temps. Ça l'était, ça prendrait des mois, peut-être même des années. Oh là 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 là. Pas avec l'effet de transfert. Allez mon bébé. Je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Comment elle l'admire, on dirait que c'est une déesse. Oh madame. Wow. C'est quoi son nom déjà? Ezio. Si tu veux marcher sur ses traces. Tu apprendras tout oui, ce que lui-même le disait souvent. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Putain. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin. Bon. Un jour, je pense que je vous ferai aussi à. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ça, après. Ça attendra. Et confiance. D'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Ok. Ouais, donc comme je vous disais, moi un jour je pense que je vous ferai top 10 de meilleurs, enfin en tout cas top 5 des meilleurs Assassin's Creed. Tu as réussi. Je pense. En se basant sur la vie des gens. C'est un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières, je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucy. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh! La mémoire centrale! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Ok, alors, je sais bien qu'il faut d'abord tous leur parler, donc hey, on va aller leur parler. Je me demandais, en quoi consiste ton travail? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé? Tu veux dire l'animus? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. J'ai pas rêvé, elle a bien dit notre bébé. Ça veut dire que... Enfin, moi ça me dérange pas d'avoir un enfant avec elle, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que... Enfin, je sais pas. Hey, on vient à peine de la connaître. Je donc, tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais... Chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Oh, merci, ma chère.
Allez, maintenant on va voir le trou du cul. Je l'aime vraiment pas, c'est un putain de... d'enfoiré, enfin. À quoi ça sert ? Je sais pas, je l'aime pas. Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Il est en train de nous mépriser et il dit ceux qui risquent leur vie, nous on risque pas leur vie, mais toi non plus, t'es juste assis devant ton bureau, connard. Ferme un peu ta gueule. Là, il est sur son bureau avec ses ordi. On ferme ta gueule, hein. Nous au moins on va dans le passé, on combat des Templiers et tout, alors que toi t'es sur ton putain de PC, tu fous rien. Alors ferme ta putain de gueule. Oui, je l'aime vraiment pas. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment. Inspire à fond. Ah! Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Quoi? C'est parti! Allez, c'est parti! Donc aussi, je pense que je ferai... moi, en fait, sur Xtorm, je pense que je ferai uniquement des let's play. Des fois, il y aura des vidéos détente, mais en fait, ce sera plus des lives que je ferai par des heures ou des fois même des lives de 20 minutes, mais je les ferai pas en vidéo. Les seules vidéos que je ferai, ce sera surtout des let's play. Et genre les vidéos sur des multi ou quoi, ce sera plutôt des lives. En fait. J'ai des trucs sur du multi ou quoi, sur par exemple le multi d'Assassin's Creed 4, Black Flag, bah, ou d'Unity. Je le fais plutôt en live plutôt qu'en vidéo. Ah, et là on va se bastonner. Wow, magnifique bot. En tout cas. Tous unis pour la victoire. Tous unis. Silencio, mes amis. Silencio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, Grullo. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Cantardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Oh la forêt. Ok, allez. Nous au moins on a pas peur d'aller au front, tu vois, pas comme cette tapette. Lui reste bien derrière comme une grosse salope, alors que nous on va pied au fond et on les encule tous. Hop hop hop, ta gueule, voilà. Allez, ferme ta gueule toi. Hop hop hop, regardez comment c'est une grosse tapette là. Il courage ses hommes alors que lui il faut rien, alors que nous, tu vois, nous on va à la baston. Allez, dégage, bolos. En plus avec ta calvitie là, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Hé hey, derrière toi. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Plus longtemps que toi, ça c'est sûr. Attends, je trouve même pas mon perso. Je suis où? Ah ok, je suis là. Putain, ok. Attends. Voilà.
Faut tout le temps manier R2 et taper au bon moment. Enfin, appuyer sur carré au bon moment. Voilà, comme je fais là. Hop, 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 hop. Voilà, tu la fermes toi. Coup de pied dans la gueule. Toi aussi. Attends. Allez encore. Ils sortent des petits cailloux derrière. Regardez, c'est beau. Ils sortent des petits cailloux. Repliez-vous. Ah ouais, tu t'oublies la tapette. Attends. Quoi? Il faut les achever. La lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Allez, on va les voler. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. 9 florines, c'est rien. 11, c'est déjà mieux. C'est toujours que dalle. 9, c'est rien. 17, on commence à parler à faire. 17, ça va. 10, non. 109, ah là, là oui, là on commence vraiment à parler à faire. 131, attends, je continue un peu à les fouiller. Merde, enfoiré. Ah ok. Je continue un peu à les fouiller, gros. Tu permets. Hein. Ah par contre là il y a vraiment des cadavres. Hein. On peut en parler. On va encore fouiller sur 3 cadavres, voilà. 23, voilà. On sort ce sac, sort Florine. On se met bien, Kouza. C'est de la famille, c'est le régal. On pique tout à ces pauvres bolas. Et voilà, on se met bien, t'as vu? Allez, parlez. Allez, Ezio, plutôt tu verras le médecin, plutôt nous irons nous coucher. On va le suivre. Suivez Federico. Federico. Et pourquoi on s'embête à monter par là? Il y a un chemin à Bolas. Pauvre confrère. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, c'est moi ou alors il le soignait du mauvais côté? Bien. Ouais, non, il le soignait bien du mauvais côté. 200 balles! Si on pouvait toujours s'amuser. 200 comme ça, putain de balles pour aller chez le docteur? C'est le cas. C'est le même prix qu'une séance chez le psy. Il faut rentrer, Ezio. Putain, mais c'est ultra cher. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Allez, on fait une course, c'est ça? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Ok. Ouais. Je compte jusqu'à 3. Uno. Due. Tres. Non, enfoiré. Putain. Je suis déjà mal parti. Hop, allez, dégage. On dirait une tortue. Voilà. Moi je t'encule. T'es mon frère, mais pourtant je t'encule. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as le seum? Ah, t'as le seum. Ah, t'as le seum. Allez, Jean-Michel seum. Oh, dommage. Ah, c'était tellement pas drôle. Tu verras. Putain. Faut encore monter. Monter, monter, toujours monter. Mais j'en ai marre dans Assassin's Creed de toujours monter. Non mais. Allez. Dio. Plus tard, j'appellerai mon fils Dio. Ce sera trop drôle.
Voilà. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Assassin's Creed 2. Voilà. Et c'est sur... enfin, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Très bien. C'est donc... Oh bon, je vais essayer la cinématique. Attends. Quoi? Hey, Tio. Laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc en tout cas, ouais, on va le suivre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça nous ferait super plaisir à Firestorm et moi. Et sinon, moi je vous dis à dans 2 jours pour le prochain épisode. Salut!